Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Molobala, même heure à Kinya. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 8 octobre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 22 degrés ce matin. De la pluie, oui, encore de la pluie toute la journée ou presque. Du vent, 11 km à l'heure, humidité 82% et la maximale attendue est de 27 degrés. Le journal Sidiki Dembélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'ouverture hier de la session d'octobre du Conseil national de transition CNT, une session budgétaire avec une trentaine de projets à examiner en 75 jours, une cérémonie solennelle marquée par la présence des invités d'honneur du Burkina Faso, du Niger et de la Turquie qui ont tous salué la bonne coopération avec notre pays. Nous ferons le point avec nos équipes de reportage dès le début de ce journal. La page AES au menu, l'actualité au Burkina Faso, c'est le lancement de la banque postale à Ouagadougou, banque dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA. À Niamey, au Niger, on forme les jeunes talibés et orphelins pour favoriser leur insertion sociale, citoyenne et économique. Nous verrons tout cela avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Ba Traoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Ba Traoré. Bonjour Cédric Dembélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? L'ex-président sénégalais Macky Sall se retire d'une organisation internationale pour participer aux législatives dans son pays. En Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères élu président. En Tunisie, le président Kais Saied est réélu avec 90,7% des suffrages. Guerre au Proche-Orient, Netanyahou jure de poursuivre le combat contre le Hamas et le Hezbollah. Voilà les faits saillants de l'actualité internationale qui vous seront développés au cours de ce journal. Sidiki Dembélé. Développement à suivre. La chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte de l'Association des femmes catholiques du Mali. Son combat, c'est le bien-être des femmes de l'Église. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Cissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dembélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. La pression monte à quelques jours du match Mali-Guinée-Bissau de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les joueurs arrivent à Kavala par vague. Le Djoliba, c'est en Ligue des Champions et le Stade Malien de Bamako en Coupe de la Confédération connaissent leurs adversaires de la phase de groupe. Les rouges et les blancs ont hérité donc des adversaires redoutables. L'insolite du jour mettra fin à cette page d'espoir. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les dingoles, juste 2-3 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Commençons par ces chiffres. Oui, ces chiffres qui donnent du tournis. Au total, 128 écoles sont occupées par les sinistrés, 167 écoles inondées et 256 effondrées ou endommagées. Voilà ce qui ressort de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. C'était hier après-midi sous la présidence du Premier ministre. Alors, pour mieux gérer la situation et en prélude à la rentrée scolaire, un comité restreint sera créé auprès du ministère de l'Éducation nationale. Cela en vue de faire des propositions concrètes en relation avec les collectivités territoriales. D'abord, dites-nous, Mamadou Koné et Aliou Touré, vous qui avez suivi et couvert la réunion du comité, qu'est-ce qui ressort de l'exposé du ministre de la Sécurité? De l'exposé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il ressort que 4854 personnes ont été sinistrées par les inondations du 1er au 7 octobre 2024, ce qui porte à 264648 le nombre de sinistrés depuis le début de l'hivernage. Sur le plan météorologique et hydrologique, les risques d'inondation demeurent avec les activités pluvio-orageuses en cours. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les seuils d'alerte ont été dépassés dans certaines localités comme Banankoro, Kenyuroba, Bamako, Kemasina, Beli Kenyi, Assan, Soufara, Mopti et Diré. Les lâchers d'eau du barrage de Manantali ont commencé le jeudi 3 octobre, tandis que ceux de Selengue se poursuivent.
Plusieurs écoles dans la 26 académies d'enseignement du pays sont de nos jours occupées par les sinistrés, inondés, effondrés ou endommagés. Docteur Amadouci Savané, ministre de l'Éducation nationale. Écoles inondées, 167 écoles. Écoles effondrées ou endommagées, 256. Et ça concerne donc les 26 académies d'enseignement du Mali. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de la création d'un comité restreint composé des représentants de tous les départements ministériels auprès du ministre de l'Éducation nationale pour une gestion diligente de la situation des écoles. Docteur Choguel Kokalamaïka, Premier ministre. C'est une opération qui nous est imposée par la nature. Il faut multiplier ces réunions-là. Et les points focaux des différents départements vont constituer un petit comité auprès du ministre de l'Éducation nationale pour faire des propositions alternatives au gouvernement. Le chef du gouvernement a insisté sur l'implication des collectivités dans la gestion de la situation. Le Premier ministre a par ailleurs invité les uns et les autres à une bonne gestion des fonds qui seront mis à disposition conformément à la vision du président de la transition. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. L'actualité est sur autre plan ici à Bamako. Ouverture hier après-midi au CICB de la session d'octobre du Conseil national de transition. Une session essentiellement budgétaire. Elle aura donc à examiner la loi des finances, mais aussi une trentaine de textes de loi de première importance pour la vie de la nation. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, mais aussi des représentants des autres pays, membres de l'AES et de la Turquie. Dans son discours d'ouverture, le président du CNT a largement évoqué le combat des pays membres de l'AES ainsi que de plusieurs autres questions d'actualité. On fait le point avec Yaya Konaté. Octobre, mois de rentrée parlementaire. La session a pour vocation de baliser l'année budgétaire. Sur la table des conseillers nationaux, le projet de budget donc, mais aussi une trentaine de textes d'une importance capitale pour la nation tout entière. L'instant est solennel avec la présence au CNT du chef du gouvernement et des membres de son équipe. L'occasion pour le président du CNT de saluer la coopération avec des pays comme la Chine, la Turquie et la Russie qui partagent avec le Mali des principes de non-ingérence et de non-instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Occasion également de réitérer une condamnation ferme de l'attitude de l'Ukraine à la suite des événements de Tinzawaten tout en affichant le soutien du CNT aux décisions prises par le gouvernement. Le Conseil national de transition condamne fermement cette attaque injustifiée contre notre pays. Nous soutenons toutes les mesures adoptées par le gouvernement contre les agissements des autorités ukrainiennes. Nous sommes également en total accord avec la décision du gouvernement qui a demandé à l'ambassadeur de Suède le 9 août 2024 de quitter notre pays dans les 72 heures suite aux propos hostiles de son gouvernement. Parlant d'actes terroristes, comment ne pas se souvenir de celles perpétrées le 17 septembre dernier contre la gendarmerie de Faladier et l'aéroport président Modibo Keïta de Senou. Le président du CNT a salué la prompte réaction des FAMA. Nous réitérons notre condamnation avec vigueur et fermeté de ces attaques lâches et barbares contre nos forces de défense et de sécurité. L'objectif de ces attaques perfides et lâches à l'approche du 64e anniversaire de notre indépendance était de terroriser nos populations, instaurer la peur. Et le colonel Malik Diaw de dénoncer le silence assourdissant de la communauté internationale face à de telles situations dans les pays du Sahel. Tizawaten, Barça Logo, Tilaberi, et ce silence, ce lourd silence, ce silence de mort, ce silence difficilement compréhensible de certaines chancelleries, surtout africaines. Après le silence assourdissant suite à l'attaque lâche et barbare du bateau Tombouctou, qui a coûté la vie à des enfants et à des femmes, il y a de cela une année, voici à présent le silence diplomatique dans les cas Tizawaten. Autre situation ayant affecté les populations du Sahel, les inondations qui ont fait des victimes dans les trois pays. Pour le colonel Malik Diaw, la situation interpelle à plus d'un titre. Il est temps qu'une solution soit trouvée. Il y va de notre responsabilité en tant qu'autorité de la transition.
Du discours d'ouverture du président du CNT, on retiendra également le travail abattu par son institution pendant l'intercession en termes de visite de terrain, de contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi de participation à des événements d'organisation parlementaire. On retiendra également l'appréciation positive faite des actes posés par l'exécutif, comme le lancement du processus de digitalisation de l'administration, la rénovation de stades ou sur le plan sportif, le doublé historique de nos jeunes au championnat d'Afrique de basketball. On retiendra enfin son appel aux forces vives de l'AES à soutenir les transitions en cours. J'exhorte toutes et tous à continuer à adhérer et à soutenir vigoureusement les efforts multiples déployés au quotidien par les autorités de transition en cours dans nos pays. Les moments que nous traversons sont certes difficiles, mais nous demeurons convaincus que c'est le prix à payer pour vaincre le terrorisme, dépasser la conjoncture actuelle qui est mondiale, et faire du Sahel un espace sécurisé où il fera bon vivre. La rentrée parlementaire intervient au lendemain de la fête de l'indépendance. L'indépendance dont les objectifs restent d'actualité 64 ans après pour le président du CNT. Occasion pour lui d'inviter les Maliens à rester mobilisés et à accepter les sacrifices pour la construction d'un Mali nouveau. Le Mali, dit-il, un navire qui peut certes tanguer mais qui ne chavirera jamais. Je rappelle que les pays invités à l'ouverture de cette session budgétaire sont le Burkina Faso, le Niger et la Turquie. Ils étaient respectivement représentés par le président de l'Assemblée législative de transition du Faso, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, ainsi que les députés turcs représentant le président de la Grande Assemblée turque. Et sans surprise, leurs discours ont porté sur la sécurité dans le Sahel, l'intégration régionale à travers la Confédération des États du Sahel ou encore la diplomatie parlementaire. Voyons le résumé des discours des représentants de ces pays invités d'honneur avec Smaila Berti. Invités d'honneur à cette cérémonie inaugurale de la session d'octobre du CNT, les représentants du Burkina Faso, du Niger et de la Turquie ont livré des messages sur des sujets d'actualité brûlante dans la région du Sahel. Sécurité, intégration régionale, diplomatie parlementaire, bref, tout a été passé au crible. D'abord, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, tout en exprimant la solidarité de son pays, a condamné les attaques terroristes perpétrées à Bamako en septembre dernier et à Tinzawaten en juillet. Pour Dr Ousmane Bougouma, l'intégration régionale, en l'occurrence celle de la Confédération des États du Sahel, reste incontournable pour éliminer tous les obstacles au développement de nos pays. L'intégration régionale, notamment celle de l'Alliance des États du Sahel, AES, demeure fondamentale pour une plus grande cohésion des peuples d'Afrique. C'est cette cohésion entre peuples africains que nous magnifions par cette noble action. Je puis vous assurer que nous contribuons de façon effective et significative à l'avancée de l'intégration dans l'espace de la Confédération de l'AES, seul gage de notre développement. C'est à travers l'intégration régionale comme la Confédération des États du Sahel que les trois pays membres peuvent réaliser leur rêve de vivre en paix et dans la prospérité, a martelé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'extérieur, Bakary Yao Sankaré. L'objectif principal de notre alliance est de promouvoir une approche commune de nos trois pays face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme qui a sérieusement affecté les 20 peuples du Sahel. Cet outil exemplaire d'intégration de nos trois pays a permis à nos forces de défense et de sécurité des actions conjointes dont les résultats sont aujourd'hui palpables. La création de la Confédération des États du Sahel a renforcé à coup sûr la solidarité entre nos trois États. La Turquie est un partenaire privilégié du Mali dans la lutte contre le terrorisme et elle restera encore aux côtés du Mali, a déclaré le représentant du président de la Grande Assemblée turque, Orhan Ates, député représentant le président de la Grande Assemblée de la Turquie. Türkiye ve Mali arasında gelişmekte olan dostluk ve işbirliği, en plus de l'évolution des contacts politiques de haut niveau entre nos pays, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que les nouveaux pas pris en avant presque chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé, du commerce et des investissements, nous souhaitons renforcer les liens entre nos peuples en améliorant les relations entre les parlements des deux pays. Et le député turc de conclure qu'il a la ferme conviction que le peuple malien, héritier de haute civilisation, surmontera tous les problèmes auxquels il est confronté aujourd'hui dans l'unité
et dans la solidarité nationale. AES, actualité. L'actualité dans les autres pays de l'AIS, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé officiellement les activités de la Banque postale du Burkina Faso. C'était hier à Ouagadougou. Selon le directeur général de la banque, l'effectivité de cette nouvelle institution financière traduit l'engagement du gouvernement à offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations. La banque est dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA, dont elle détient 51%. Plus de précisions avec notre confrère Lazare Sanou de la radio du Burkina. La Banque postale du Burkina Faso est une banque commerciale tout public. Elle a vocation d'offrir une gamme de produits et de services à l'endroit de sa clientèle tels que des particuliers, des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et des grandes entreprises. Selon le directeur général de l'institution, Inusta Boundaone, la banque va jouer un rôle majeur dans le financement de l'économie burkinabé en contribuant à la création d'emplois, à la stimulation des investissements et à l'amélioration du bien-être des populations. La BPBF compte à ce jour deux agences à Ouagadougou, à savoir celle du siège à Koulouba et celle de Ouaga 2000 sur le boulevard de l'insurrection populaire. Les responsables de la banque disent travailler pour son expansion partout au Burkina Faso en s'appuyant sur son réseau fort de 128 points de contact. Ils ajoutent que c'est un vecteur de changement, un outil d'inclusion financière pour chaque citoyen, qu'il soit en milieu urbain ou rural, et de préciser que la banque postale ambitionne donc faciliter l'accès aux services financiers à tous les vulnérables. Les partenaires de la banque postale sont entre autres la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, la CNSS et la Carrefour. Le 3 avril 2023, la banque postale ouvrait ses guichets à la clientèle, marquant ainsi l'entrée d'un 16e acteur dans le paysage bancaire burkinabé. Le président du Faso a invité Inusta Boundaone et toute son équipe à respecter leurs engagements afin que les retombées profitent à tous les burkinabés. Rendons-nous maintenant à Niamey, au Niger, pour parler de la formation de 40 jeunes talibés et orphelins. C'est une activité portée par l'ONG Bondoura et financée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. L'objectif est de contribuer à renforcer l'accès des jeunes talibés et orphelins en maroquinerie et botterie afin de favoriser leur insertion sociale, citoyenne et économique. Et c'est la ministre en charge de l'enseignement professionnel, Dr Elisabeth Chérif, qui a procédé au lancement de cette formation. On fait le point avec notre consoeur Samira Maman Garba de Radio Niger. Ils sont au total 40 jeunes, dont 20 talibés et 20 orphelins, qui bénéficieront de cette formation en maroquinerie et botterie initiée par l'ONG Bondoura avec l'appui financier du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Cette formation, qui s'étalera sur une période de 3 mois, a été une occasion mise à profit par la ministre en charge de l'éducation nationale, accompagnée des cadres du ministère de l'éducation nationale, d'effectuer ce déplacement en vue d'encourager ces jeunes apprenants. Vous voyez ce qu'ils font, de très très belles choses, de très beaux articles, accessibles, abordables à toutes les couches sociales. Ce sont des produits que l'on peut amener partout et que l'on peut retrouver partout. Ces jeunes méritent d'être encouragés. Et c'est l'essence de notre visite ici, parce que derrière chaque sac que vous voyez ici, chaque ceinture, il y a le message de la solidarité, du partage, la promesse d'une insertion sociale et la possibilité de contribuer au développement de ce pays. Je pense que l'exemple de ce monsieur Gliendou mérite d'être connu du plus grand public afin que d'autres jeunes puissent s'inspirer de lui et contribuer aux efforts du développement. Nous sommes venus voir ce qu'il fait et surtout examiner les possibilités d'une collaboration de cette ONG, de ce qu'ils font. Cette initiative des plus hautes autorités de notre pays sous le leadership du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, témoigne de leur engagement à faire de l'éducation le pilier du développement. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 8 octobre 2024, fin de la première partie.
Vous n'avez pas tout raté si vous venez de nous prendre au vol, bien sûr. Dans la deuxième partie, nous allons développer ensemble la page internationale avec Ba Traoré. Il est là en direct avec moi dans ses studios. Un tour d'horizon qui nous conduira en Éthiopie, en Tunisie, au Proche-Orient et au Sénégal, Ba Traoré. Oui, au Sénégal, l'ex-président Macky Sall se retire d'une organisation internationale pour participer aux législatives dans son pays. Les développements tout de suite. Vous aurez aussi la chronique Initiative Citoyenne, une réalisation d'Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association des femmes catholiques du Mali, une association qui se bat pour le bien-être des femmes de l'église et de la cité. Enfin, nous allons suivre l'actualité des sports avec l'athlète qui ne perd jamais. Sragatou Cissé, rebonjour. Rebonjour, Sidiki Dembélé. Avec vous, on va parler de football avec les éliminatoires de la CAN 2025, la compétition africaine des clubs de basket Africa League est terminée avec l'insolite du jour. Une histoire incroyable, Sragatou. Tout à fait, ça s'est passé devant vos yeux. Suspense, ça va se savoir. Mais l'actualité, il est 7h22 à Finkolo, Ganadougou. Eh oui, l'ex-président sénégalais Macky Sall se retire d'une organisation pour participer aux législatives dans son pays, Ba Traoré. Oui, Macky Sall renonce à ses fonctions d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète. C'est en vue des législatives du 17 novembre dans son pays. Voilà ce qu'a indiqué dimanche le site de la télévision nationale sénégalaise, la RTS. Pour rappel, l'ex-chef d'État du Sénégal 2012-2024 avait été nommé au poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète en novembre 2023, peu avant la fin de son second mandat par le président français. En Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères est élu président. Oui, Taye Atsike Selassie, 68 ans, précédemment ministre des Affaires étrangères éthiopien, a été élu hier président du pays par les parlementaires. Il remplace Charles Wark Zewde, dont le mandat arrivait à échéance fin octobre. Il faut préciser qu'en Éthiopie, le poste de président est honorifique car l'essentiel du pouvoir est entre les mains du premier ministre. Et en Tunisie, élection. Là-bas aussi, le président Kaïd Saïd est réélu avec 90,7% de suffrages, Ba Traoré. Kaïd Saïd a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits. Voilà ce qu'a annoncé hier l'instance supérieure d'indépendance pour les élections. Le taux de participation s'est établi à 28,8%, soit le plus faible depuis l'avènement de la démocratie en 2011 dans ces pays nord-africains de 12 millions d'habitants, berceau du printemps arabe après le renversement de Ben Ali. Direction Haïti, des milliers de déplacés après une attaque de gang. Près de 6 300 personnes ont fui leur domicile à la suite de l'attaque menée par des gangs lourdement armés à Pont-Soudé dans le centre du pays, faisant au moins 70 morts selon l'Agence des Nations Unies pour la migration. Près de 90% des personnes déplacées sont hébergées par des proches dans des familles d'accueil, tandis que 12% ont trouvé refuge dans des écoles ou des parcs selon un rapport de l'Organisation internationale pour les déplacés. Un mot sur la guerre au Proche-Orient, Ba Traoré. Netanyahou jure de poursuivre les combats contre le Hamas et le Hezbollah. Oui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré hier de poursuivre le combat contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, qualifié de mission sacrée à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. De son côté, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a promis une bataille d'usure longue, douloureuse et coûteuse pour Israël après avoir qualifié de très difficile la situation des otages. Sidiki Dembélé. Merci Ba Traoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Sragatou Cissé, donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h25 à Mayina, région de Kaï. On se retrouve juste après les jingles. Les Mali préparent le match de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025, ce vendredi contre la Guinée-Bissau. Tout à fait. Les joueurs convoqués arrivent au compte Gouta, Kabala, Djigui Diarra, Fode Doucouré, Youssouf Koïta, N'Golo Traoré, Ousmane Diallo Santi sont déjà sur place. Une vague débarque à Kabala ce soir et le reste de la troupe mercredi en matinée. Pour prendre la température du match Mali-Guinée-Bissau, le sélectionneur Tom Saint-Fit dirigera une séance d'entraînement cet après-midi ouverte à la presse. Mali-Guinée-Bissau, c'est ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Les Aigles
sont co-leader du groupe I avec le Mozambique 4 points. Ouais, bien noté. Compétition africaine des clubs, Sragatouche, on avait les regards tournés hier vers le Caire en Égypte pour les tirages au sort de la phase de groupe. Le Djelba AC en Ligue des Champions est dans le groupe 2. Oui, les Rouges auront comme adversaire dans le groupe D les Tunisiens de l'Espérance Sportive, les Égyptiens de Pyramide FC et les Angolais de Sagrada Esperanza. Le Djelba AC du technicien Demba Mamadou Traoré débute cette campagne allée à Tunis sur l'Espérance Sportive de Tunisie le 26 novembre. Il reçoit à Bamako Pyramide FC le 6 décembre et Sagrada Esperanza le 13 décembre. Et le stade malien de Bamako, allez-y, Sragato, raclez votre gorge. Vous avez un chat dans la gorge, allez-y, avec plaisir. Merci. Le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération est tombé dans le groupe B. Les Blancs croiseront les Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane pour des retrouvailles colorées. La Sud-Africaine de Stellenbosch FC et les Angolais de Club Desportivo Luanda Soul. Le stade malien de Bamako du technicien Mamoutou Kane Dimourle commence les débats à Bamako le 27 novembre face à Stellenbosch avant d'enchaîner deux déplacements le 8 décembre en Angola contre CD Luanda Soul le 15 décembre au Maroc pour défier la Renaissance Sportive de Berkane. CD Luanda Soul. Ouais. Okay. Alors, on va parler de basket maintenant, Sragatoubou. Basket, c'est Africa League. Le stade malien de Bamako est arrivé à Tripoli, c'est en Libye, pour le tournoi qualificatif de l'élite 16. Oui, ce sera du 8 au 13 octobre. Le stade malien de Bamako est dans le groupe A avec Al Ahly de Tripoli de Libye, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso et Creole Star du Cap-Vert. Les deux premiers se qualifient pour le top 16 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le stade malien de Bamako, 3e en 2022 et signant forfait en 2023, veut cette fois retrouver la cour des grands. Bonne chance donc au stade malien de Bamako, Sragatou. L'insolite du jour pour terminer. Oui, l'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes à Bamako ici. Lors d'une finale de coupe de football, une scène inédite s'est produite. Vous étiez là, vous avez tout suivi, Sragatou. Un joueur se blesse en plein match et il est secouru. La suite se passe de tout commentaire. Racontez-nous, Sragatou. Alors, le match battait son plein sous vos yeux. Oui, vous étiez là aussi et vous avez tout suivi. Donc, racontez-nous tout. Alors, sur une action de jeu, un joueur se blesse. L'arbitre arrête le match. Le médecin de l'équipe dont le joueur est blessé pénètre sur la pelouse sur ordre de l'arbitre. Oui, la précision est importante, sinon ce dernier sera expulsé. C'est normal. Après le diagnostic... Le joueur blessé est à terre. Oui, après le diagnostic, les secouristes transportent le joueur blessé. Oui. Surprise, le médecin de l'équipe est atteint de crampes. Quoi? Tous les joueurs sont à son chevet. Ils demandent de l'assistance. Les secouristes à longues enjambées se présentent. Le médecin atteint de crampes est transporté d'urgence à son banc de touche. Alors, il saute de la civière devant vous et fait des acrobaties pour tester ses capacités techniques sous les applaudissements du public. Non, c'est le médecin qui est venu secourir le joueur, qui est tombé lui aussi. Tout à fait. Et qui a secouru le médecin. Les autres secouristes. Sacré ce regard aussi. Initiative citoyenne. Le développement. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'Association des femmes catholiques du Mali. Créée il y a quelques années, elle a axé son combat sur le bien-être des femmes de l'Église et de la cité afin qu'elles puissent avoir leur autonomie. Malgré les initiatives, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre plusieurs difficultés qui entravent sa bonne marche. Allons à la découverte de cette association avec Ousmane Daou. Depuis sa création, l'Association des femmes catholiques du Mali œuvre pour le plein épanouissement des femmes de l'Église, mais aussi des femmes de la cité. Pour ce faire, elle développe des activités génératrices de revenus, d'entraide pour que les femmes puissent avoir leur autonomie et participer au développement socio-économique. Malgré l'élaboration de passerelles avec les autres religions, organisations et associations, elle peine à trouver sa vitesse de croisière. Sidibé Lucienne Keïta est la présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Avec toutes les autres associations féminines et des associations religieuses,
rencontres d'échange, de formation et de sensibilisation. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous finance. Nous avons une cotisation et nous confectionnons des pains pour vendre et nous nous débrouillons avec les bénéfices. Engagée dans l'émancipation, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir asseoir ses activités afin que la population puisse en bénéficier. Sidibé Lucienne Keïta, présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes parce que nous n'avons même pas de siège pour le moment pour loger nos activités d'aide aux filles et nos petites activités qui sont les transformations des céréales, la saponification et puis la transformation des jus à travers l'Association des veuves et orphelins catholiques. Pour consolider ses acquis et mettre en place un véritable programme de développement, l'association compte sur toutes les bonnes volontés. Merci Ousmane Dao. 7h31 à Konobougou. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraori et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, vous avez Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et à la coordination Ousmane Dao. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est vraiment réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousseyni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Octavio Paz. Savoir parler a toujours été savoir se taire. Savoir qu'il ne faut pas toujours parler. Oui, savoir parler a toujours été savoir se taire. Savoir qu'il ne faut pas toujours parler. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.